Merci. Et sur la poutre, c'est Adriana Cricci, le petit modèle qui ne paraît pas très sûr. Elle a connu la chute aux barres asymétriques. Un bonbon. Bon, ben voilà, comment s'élimine la concurrence au fur et à mesure que la finale se déroule. Alors, quand ça arrive au championnat du monde et aux Jeux Olympiques, c'est une catastrophe, surtout pour les meilleurs. Cricci ne fait pas partie de celle-ci, mais on a connu de grandes émotions dans ce domaine, hein, Michel. Depuis qu'on suit ces championnats du monde et ces Jeux Olympiques, en gymnastique, on a vu un déséquilibre, une chute et la médaille d'or qui s'envole. Bien sûr, c'est l'agrès où tout est permis, le seul agrès d'équilibre, donc il faut beaucoup de précision. Et ça, c'est toujours très très difficile. Psychologiquement, mentalement, il faut une grosse concentration. Double arrière groupé. Voilà, et je pense que son entraîneur devra veiller à sa ligne. Hein. Et oui, elle est petite, c'est vrai que comparativement à Cortina, elle est beaucoup moins élégante. Ah oui.